Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage horoscope du mois. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Voyageur sacré de Denise Lynn. Le Dixit, c'est la sixième extension, donc le Dixit numéro 6 mémorise, si je me souviens bien. Le Reflet de lune, le Normand, et nous utiliserons un tarot, le Lily White. Je vous mets les références de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos. Et pour le Normand et le Lily White, ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos et puis suivre toutes les aventures aussi créatives de nouveaux jeux. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte du Dixit. Alors, pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, vous allez avoir besoin de vous motiver. Il va falloir que vous sachiez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous entreprenez certaines choses. Sinon, vous allez très très vite ne plus avoir envie de bouger et perdre votre élan et puis stagner. En fait, hein. Donc ici on vous invite à trouver la carotte qui vous fait avancer, à trouver le but pour lequel vous investissez tout votre temps, enfin tout votre temps, pour lequel vous allez investir votre temps et vos efforts. Et puis on vous invite aussi à porter un regard un petit peu différent sur la vie, à voir ça un peu comme un jeu, à vous amuser, à prendre plaisir à faire les choses. Et vous pourriez aussi être à la place de cette personne qui est ici et puis arriver à remotiver par exemple un collègue ou votre partenaire de vie ou quelqu'un qui vous est proche et arriver à le reconnecter à pourquoi il était en train de faire les choses, pourquoi il avait mis en place certaines choses et essayer de le pousser comme ça s'il est dans un élan de démotivation, remettre un petit peu de joie et de gaieté dans sa vie également. Donc vous pourriez autant être à la place de ce personnage-là qu'à la place de celui-ci. Voilà. Donc on voit aussi qu'il y a une belle collaboration, un beau duo, parce qu'il y en a un qui porte et l'autre qui propulse, qui aide à propulser. Donc c'est aussi un bon moment peut-être pour s'associer avec quelqu'un qui a un regard différent de vous, qui a des compétences. Donc vous associer avec quelqu'un qui possède les compétences ou les connaissances que vous n'avez pas actuellement et qui vous empêche un petit peu d'aller plus loin, ça va être très très utile pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Voilà, donc mutualiser les compétences, les connaissances. Peut-être que vous avez la force et quelqu'un vous donne la bonne direction pour atteindre vos buts, ou vous savez où vous voulez aller, vous savez quelle direction prendre, il vous manque juste quelques connaissances ou un petit peu de force ou un petit peu d'aide, et du coup vous associez à quelqu'un pour obtenir cela. Voilà, alors on va faire un tirage en trois cartes avec le Normand. Un tout petit peu la caméra. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou de mon côté. Ah non, c'est bon, ça va mieux. Alors, ah, on en a une qui est restée, ce sera la troisième, tiens. Alors c'est intéressant parce qu'avec la croix, si on le met en corrélation avec... avec la carte du Dixit, ici la croix pourrait être le petit joystick ici, la manette de jeu. En fait c'est l'objectif à atteindre, c'est le but, c'est ce pourquoi vous souhaitez vous engager. Il y a beaucoup d'échanges ici qui se font avec la carte des poissons. Donc souvent dans un domaine financier ou matériel, on échange, on troque, on fait du commerce. Pour moi, les poissons, c'est aussi une carte qui se rapporte au travail, donc ça vous invite à mettre un but dans votre travail pour éviter qu'il ne devienne trop lourd. Alors pour certains d'entre vous, votre travail pour ce mois-ci va être vécu un peu comme un fardeau, comme une difficulté, vous en aurez un peu plein le dos. Il va falloir vous montrer astucieux ou astucieuse pour
justement compenser un petit peu peut-être un manque de motivation aussi. Le corps, le physique aussi qui en a un petit peu marre peut-être. On vous invite aussi à faire attention hein, à ce que votre corps vous dit. Ici avec le serpent, on a cette idée aussi. C'est une interprétation moins traditionnelle, mais on a l'idée de la Kundalini, vous savez, cette énergie qui monte en nous. Et ici, on pourrait avoir, en plus le serpent et la tête en bas, justement, une baisse d'énergie. Une baisse d'énergie, un trop-plein de fatigue, quelque chose qui manque de sens, en fait, pour vous. Manque de sens dans vos échanges, manque de sens dans votre travail. Et vous avez besoin de retrouver ce sens, en fait, pour retrouver votre énergie. Alors, une autre interprétation avec le serpent, ça pourrait être une personne de votre entourage qui ne vous veut pas que du bien, qui vous cache des choses, qui est plutôt un peu mensongère pour obtenir ce qu'elle souhaite. Quelqu'un qui vous utilise pour elle, pour son propre bénéfice à elle. Et de le mettre en lumière aussi, ça va vous permettre d'aller au-delà et de ne plus être dans cette énergie en fait qui vous plombe et ça va vous permettre vraiment d'aller au-delà. Moi j'y vois plus un sens aussi de... On a quelque chose quand même qui est très en lien avec l'énergie ici, cette énergie que vous avez mais qu'il faut diriger. Ici on a les poissons qui sont un signe très énergique de fluidité également, les choses coulent tout seul, généralement ça se fait assez bien. Et on a ici le serpent aussi qui, comme le poisson, va un petit peu couler, vous voyez faire ce mouvement pour se fondre un petit peu dans son environnement. Donc on a cette idée ici avec le poisson et le serpent qu'il y a une énergie à retrouver. Et que cette énergie, elle va devenir extrêmement fluide à partir du moment où vous allez comprendre quel sens vous lui donnez, où est-ce que vous la dirigez. Alors faites bien attention à bien vous hydrater pour le mois prochain au niveau du corps, du physique, comme on a la carte de la croix qui peut montrer une lourdeur. Ça peut être de faire attention bien sûr à son dos, à ses épaules. Et avec la carte justement des poissons, pardon, cette fluidité aussi c'est le système sanguin, ça va être tout ce qui est en lien avec l'eau dans notre corps, donc une bonne hydratation, de faire attention justement faites attention à votre corps, à votre physique pour le mois prochain, en respectant vraiment ses besoins. Et ici on a aussi avec le serpent tout ce qui va être en lien avec le système digestif, principalement votre alimentation, donc faites attention à votre alimentation, la façon dont vous nourrissez et ce que vous buvez également. Voilà, alors on va regarder avec le tarot. Décidément, ok, je pense que vous avez vraiment vraiment besoin de... Ok, on retrouve le serpent qui est ici. Il n'y en a qu'une carte avec le serpent, hein, dans les 78 hein, quand même, qui sont là. Donc on retrouve le serpent, on retrouve cette énergie qui est figée, qui est bloquée, cette énergie parce qu'on cherche à garder tout pour soi aussi, on cherche à garder ce que l'on a acquis, et du coup l'énergie ne circule plus, l'énergie d'abondance ne circule plus. Ici, on a un poisson, vous voyez, qui est pris dans la brume, qui n'arrive pas à se diriger parce qu'il ne sait pas vraiment où il va. Donc encore une fois, on a un manque d'objectif. Donc pour arriver à trouver où il va falloir qu'il lève un petit peu la tête, qu'il voit la fleur qui brille en haut et puis qu'il va pouvoir se diriger comme ça. Mais encore faut-il qu'il trouve ce but. Donc en fait pour vous les Capricornes, toutes les cartes qui sont ici, tout ce qui est présent, tout ce tirage en fait vous invite vraiment à refaire circuler l'énergie. Alors des fois là il va falloir s'investir également pour ça. Il va falloir donner pour pouvoir recevoir, il va falloir peut-être accepter de perdre quelque chose pour refaire circuler l'énergie. Avec le 4 de denier, on consolide, on a ce qu'il faut. Donc n'essayez pas de garder uniquement ce que vous avez et rester sur ces bases-là. Essayez d'aller chercher plus loin, de vouloir plus. Et pour ça, des fois, il faut aussi arriver à prendre un risque. Prendre des risques, c'est la leçon de la carte du 4 de denier ou de pentacle. C'est aussi cette idée de ne pas vouloir... se surprotéger et surprotéger ce que l'on a au risque de ne jamais le faire évoluer en fait.
Vous avez atteint un palier, vous avez atteint une sécurité, vous avez atteint quelque chose de stable. Ok, mais maintenant, vous ne pouvez pas rester sans arrêt dessus, il va falloir faire le pas suivant, vous engager, même si ça fait un petit peu peur, même si vous ne savez pas pourquoi, comment. Engagez-vous, mais engagez-vous avec un but à atteindre. Ayez un objectif, fixez-vous un objectif clair, un objectif précis, un objectif qui vous motive, parce que sinon vous risquez de perdre votre motivation. En cas de besoin, associez-vous aussi à quelqu'un. C'est peut-être la bonne occasion de vous associer avec quelqu'un avec qui vous sentez justement que vous allez pouvoir mutualiser vos compétences et aller encore plus loin, et ça va vous motiver en plus d'être avec quelqu'un. Alors, on va prendre une carte du voyageur sacré et on a le voyage du cœur. Alors ici, on a eu le voyage matériel, on a obtenu ce que l'on souhaitait matériellement. Il faut se fixer un objectif, fixez-vous un objectif avec votre cœur. Quel voyage votre cœur veut faire? L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On a cette idée de couler, on a cette idée de fluidité, encore une fois, donc de remettre de la fluidité dans votre vie. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc vous êtes comme un passage, c'est comme, comment dire, un petit peu comme si la vie, comme si l'amour, comme si ce qui vous entoure, en fait, vous utilise dans le but d'aller encore plus loin et d'apporter encore plus. Qu'est-ce que vous pourriez apporter encore plus? Quel est le pas? Comment vous pourriez vous engager pour être dans cette voie de l'amour, pour être dans cette voie d'apporter à travers vous encore plus au monde, ou à votre famille, à vos amis, à ce qui vous tient à cœur, à une cause qui vous tient à cœur? Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.